On est au milieu de la Provence, donc on est à mi-chemin entre la plaine et la montagne, donc à mi-hauteur, moyenne altitude, et on est à la fois dans le domaine de l'olivier encore, et puis déjà le sapin, le mélèze, tout ça. On est au croisement du monde méditerranéen et du monde alpin. Alors, ça a donné, donc, d'une part, qu'on a tous les plats, disons, de la cuisine provençale, depuis l'aïol jusqu'à la soupe au pisto. On est un pays méditerranéen, on est un pays de l'agneau. Nous sommes éleveurs fromagers et donc l'activité principale c'est faire du fromage de chèvre. Et donc dans la spécialité locale c'est le banan, hein. Le banan sous sa feuille de châtaignier. Allez. Ça c'est les chèvres provençales et donc c'est la vieille race d'ici. Et c'est très important parce que pour faire du bon banan, il faut qu'il y ait de la matière grasse. Et cette race de chèvre est capable d'aller manger de la nourriture d'ici. Et cette nourriture qui est riche en matière sèche, parce qu'on est un climat sec, va donner de la matière grasse dans le lait. Et cette matière grasse, elle est utile pour le fromage. Et donc c'est la race adéquate pour faire du banan. Hein. Bonjour. Je vois personne. On se trouve sur le marché de Forcalquier. C'est ma sortie de la semaine. Le reste du temps, je suis enfermée dans ma cuisine. Donc j'en profite du lundi pour rencontrer mon petit monde. Bonjour. Je vais prendre des olives. Des cassés à l'ail, un petit peu, encore un peu. On n'est pas obligé de mettre de l'anchois dans la tapenade. L'anchois dans la tapenade, c'est les capres. C'est les capres. Parce que je pense que je ne dirais pas des bêtises, en provençal, tapenade veut dire capre. Oui, l'étymologie du mot tapenade, voilà. C'est les capres. Voilà, après, il y a des variantes. Il y en a qui mettent de l'anchois, il y en a qui mettent de l'ail. Voilà. Moi, je la fais nature, c'est-à-dire que des olives, de l'huile d'olive et des anchois. Et des... Voilà. Ce soir, on va préparer une épaule d'agneau maboula, c'est-à-dire une épaule d'agneau que l'on farcit avec du lard, des anchois et de l'ail. Ça va servir à accompagner une caponata, c'est-à-dire c'est une sorte de ratatouille, c'est une recette sicilienne. Ou de la fusion d'armoise. Ouais, on peut peut-être en mettre un petit peu moins de pastis et un peu plus d'eau. Hein. Je suis en train de déguster le pastis là, qu'on a essayé d'élaborer pour voir si on doit le modifier au niveau de la recette, s'il faut rajouter un peu plus d'alcool, d'infusion, etc. Donc là, je regarde la couleur, il est pas mal. Après, au nez, il est un petit peu anisé. Il est épicé, oui, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'infusion d'armoise.
On a dit que ça apportait un peu de structure et c'est important pour l'équilibre du produit. Aubergines, c'est l'ingrédient principal. Je crois qu'elles sont de l'autre côté. Alors, on va préparer la caponata. Donc, c'est une préparation à base de légumes. Donc, on va prendre les oignons, des aubergines, le céleri et les tomates. Et voilà. Alors, d'origine, c'est sicilien. Mais bon, comme beaucoup de préparations, on retrouve des choses très équivalentes tout autour de la Méditerranée. Donc, il y a une vraie identité de la cuisine méditerranéenne. Donc, ça s'est complètement intégré dans la cuisine locale. Quoi. Combien je te dois ? 6,60. Au niveau de la cuisine, c'est ma culture, quoi. Je ne pense que la Méditerranée, c'est le monde qui m'intéresse. Il est plus doux. Pour la cuisine en Haute-Provence comme partout, elle est actuellement en voie de disparition quotidienne. On n'a jamais utilisé dans la gastronomie provençale les herbes de Provence. C'est une notion qui n'existait pas. On utilisait telle herbe dans tel plat. On faisait un bouquet garni pour le pot-au-feu, on utilisait le thym avec le lapin, on utilisait le laurier avec la soupe de courge, on mettait de la sarriette fraîche sur les tomes, on a remplacé le savoir-faire, le travail et les produits par l'adjonction d'un signe extérieur d'identité. À mon avis, dans quelques années, on bouffera des cigales. À la lavande, bien sûr. Alors le banon, il y a deux caractéristiques. D'une part, c'est le pliage sous la feuille du châtaignier. Et deuxième caractéristique, c'est une technologie qu'on appelle le cahier doux, par opposition à tous les autres fromages de chèvre en France, qui sont ce qu'on appelle des cahiers lactiques. Donc c'est une technique issue de la tradition d'il y a 2000 ans en arrière, qui est adaptée au climat chaud. Le banon, c'est vraiment le produit de base qui remplaçait la viande pour les familles pauvres. Et c'est aujourd'hui le paradoxe, c'est un fromage pas de riche, mais un fromage plutôt cher, parce qu'il est très coûteux à produire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le banon, c'est le fromage le plus cher de France. Et du lapin à la moutarde. Alors, soit vous choisissez, soit je prévois de vous donner un peu des deux, et même beaucoup des deux, et vous vous débrouillez. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on a mérité, on a ouvert la petite. Deux blanquettes, un lapin. Le principe chez moi, c'est qu'il y a plein de petites entrées différentes. Donc là, on a des petits poivrons marinés aux anchois, du concombre à la menthe, la fameuse caponata et la brandade de morue qui va sortir du four. Bon appétit à tous. Merci. Le principe d'une cuisine de bistrot, c'est-à-dire la cuisine du jour, sans chichi, cuisiner frais tous les jours, avec les produits de saison. Et comme on est dans le sud de la France, la cuisine, disons, de tendance méditerranéenne, quoi. On a eu...
c'est un rêve de gosse d'être de l'autre côté du comptoir. J'ai toujours fréquenté les bistrots et c'est rigolo d'être de l'autre côté. Une gamme un peu séparée, un peu différente. Donc on n'est pas concurrent en pastis industriel, mais effectivement il y a des pastis comme nous à base de plantes et d'épices. Et nous on pense qu'on est effectivement le haut de gamme. Le mot pastis veut dire mélange, donc les pastis sont nés après 1920, c'est-à-dire à la suite de l'interdiction de l'absinthe. Les gens ont continué à faire des produits similaires à l'absinthe, mais sans utiliser la plante. Or, ces produits-là, ces liqueurs-là, étaient toujours à base d'anis. Mais ils ont remplacé la plante manquante par d'autres choses. Donc Paul Ricard avait lui-même sa recette. Nous en avions une autre, puisque nous faisons du pastis depuis 1924. Et le mot s'est ensuite évidemment imposé, à tel point qu'il a été réglementé et qu'aujourd'hui, le pastis doit, pour s'appeler pastis, la boisson doit suivre une règle tout à fait établie. La phase de pliage, qui est une des deux grandes caractéristiques du banon, à savoir qu'on met les fromages d'abord dans l'alcool et après on les met dans la feuille de châtaignier, et l'objectif en fait c'est de les mettre à l'abri de l'oxygène, et là en fait le produit il va fermenter et ça va permettre de lui donner une deuxième vie, une deuxième phase de conservation qui va permettre de prolonger sa conservation pendant au moins un mois. Et donc c'est comme ça que dans le temps les vieux avaient trouvé une solution pour avoir du fromage l'hiver alors qu'il n'y avait plus de lait, et sans ça ils n'auraient pas eu de fromage. Aujourd'hui on n'utilise que la feuille de châtaignier, mais dans le temps en fait le paysan utilisait la feuille qu'il avait autour de chez lui à condition qu'elle soit abondante et pas toxique. Et aujourd'hui la feuille de châtaignier s'est standardisée parce qu'à la fois elle est relativement putrescible, quand le fromage a fermenté la feuille ne s'est pas dégradée, et à la fois le tanin de la feuille passe sur le fromage et donne une coloration et un goût au fromage qui est très typique de ces fromages à la feuille de châtaignier. Elle a largement. Elle est en cuivre. Hein. Tous les tubes, il y a 140 tubes en cuivre. Bon, enfin, elle est pleine. Ces tubes sont pleins d'eau avec le pouilleur. On est à 800 grammes de pression. On travaille à basse pression, 800 grammes. On met là, voilà l'alambic. Alors, c'est mon grand-père qui avait construit ça. Ça va, Jeannot? Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ouais. Ça y est? Ma foi, ça y est. Ouais, ça va, ah oui. C'est la base de nos macérations d'armoise qu'on utilise pour le pastis et pour l'absinthe. Ça,
En fait, on peut dire que c'est ce qui fait la structure un peu du pastis. Ça c'est donne, l'ossature de votre... Voilà, c'est l'ossature. C'est l'ossature du... ça nous fait... ça donne du corps au pastis. Après, effectivement, il y a d'autres plantes et d'autres épices qui donnent que un peu... Que vous gardez secret. Voilà. Mais enfin, du réglisse d'office. Oui, forcément, de l'anis. Et après, les plantes, non, sont pas secrètes. Mais après, ce qu'on garde secret, oui, c'est les proportions. Les proportions. La recette, évidemment, on la dévoile pas. Ah oui, voilà, ça y est, ça commence à couler. Ça sent bon l'armoise. Ah ouais, ça y est. Ce qui sort en premier, c'est les têtes. Ensuite, on appelle le cœur et après, les queues. Voilà. Ce qu'on garde essentiellement, c'est le cœur. Donc après, le reste, on récupère et on redistille. C'est bien parti, c'est même bon. Hein. Oui, c'est très bon. Les filles, ne pas vous saouler. Oui, oui, non. Comme vous conduisez pas, si. Non, pas tout de suite. Si demain, un jour, dans le journal, vous avez le chauffeur. Ah non. Oui, là, je suis venue avec un chauffeur. Ah non, mais pour vous rappeler. Non, je rentre. Vous avez les deux fabrications. Donc, la fabrication lactique, qui est le cahier de 24 heures. Donc les crottins, là, ont tous les stades. Du frais, le fromage qui a un jour. Le fromage un peu plus affiné d'une semaine. Le fromage d'une quinzaine de jours. Et le même fromage très sec à un mois. Ensuite, l'autre fabrication, donc le cahier présure ou cahier doux, sous forme de tome à l'ancienne. Et ensuite le banon, donc qui est cette tome à l'ancienne qui a été pliée lorsqu'elle avait 5-6 jours. Donc sous feuille, la tome à fermenter. Et lorsqu'elle est bien affinée, elle est crémeuse jusqu'à cœur. Arrivé à la bergerie, c'est une des nombreuses bergeries qui existent dans la montagne de Lure. Celle-là a été retapée assez récemment. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude, à 4 km du village de Lardier, en bas du plan des Aubarines, hein, où il y a moult champignons quand tout va bien. Et on va s'installer. Alors, on va préparer deux choses. La fameuse caponata, donc c'est à base d'oignons, d'aubergines, de céleri et de tomates. Et en fin de recette, on y ajoute des capres au vinaigre et des olives. Ça va servir à accompagner une épaule d'agneau que l'on va farcir avec du lard, des anchois et de l'ail. Alors, pour la caponate, on va commencer par préparer les oignons en essayant de ne pas trop pleurer. Et ça y est, je pleure. Ensuite, on va choisir, disons, trois belles branches de céleri. On va émincer. Donc, les aubergines, on les coupe en petits dés et on les met à dégorger avec un peu de sel. Ça les rend moins amers et ça les rend plus tendres aussi. Et après, les tomates. Et voilà. Je ne sais pas, ils étaient en mode. Donc ça, on va laisser cuire l'oignon et le céleri quelques minutes. Parce que le céleri, des fois, il est un petit peu plus raide. Il faut qu'il soit bien cuit, sinon c'est pas agréable. Mais là, on va pouvoir y ajouter les aubergines.
comme elles sont bien dégorgées, elles sont moins avides d'huile. Donc là, on va les faire encore bien saisir. Puis évidemment, après, il faut le laisser refroidir parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est quelque chose qui se mange froid. Hein. Et ensuite, on va y ajouter les tomates qui vont donner un petit peu de jus et faire l'onctuosité de l'ensemble. Voilà, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir le feu trop vif. On va le laisser un peu plus doux. Et on va même couvrir. Après, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, la cuisson est terminée. Ça sent bon. Alors, nos petits légumes sont bien cuits. Et on va y ajouter les câpres et les olives. Les olives, il faut les dénoyauter. On en trouve des dénoyautés dans le commerce, mais bon, elles sont souvent de moins bonne qualité. Alors pour la quantité qu'on a, on va mettre disons une vingtaine d'olives. Et puis les câpres, il ne faut pas hésiter à y... Elles sont en général dans le vinaigre, et donc il ne faut pas hésiter à y mettre un peu le vinaigre qui fait l'assaisonnement. Voilà. La caponade sera salée par les olives et les câpres. Et après, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir tranquillement. On va préparer notre épaule d'agneau. Donc, on a notre épaule qui est désossée, des anchois, de la poitrine salée et de l'ail. Alors, les anchois, on les dépiote soigneusement. Il faut enlever l'arête centrale, hein, c'est pas très compliqué. On les a fait bien, bien dessaler sous le robinet pour essayer d'obtenir des filets qui soient jolis. Ben, il faut qu'ils soient suffisamment charnu, justement, et pas trop desséché. Souvent, dans le commerce, on achète des anchois qui sont... C'est plus que du sel, c'est tout desséché. Et voilà, nos filets d'anchois qui sont tout prêts. Ensuite, les tranches de lard. Alors, l'idée, c'est d'enlever la couenne, et puis, éventuellement, s'il y a des petits morceaux d'os. Et alors, avec nos gousses d'ail, on va faire des petites tranches fines, comme ça. Et ensuite, c'est un jeu d'enfant. On va y mettre les tranches de lard, bien réparties sur toute la longueur. Nos filets d'anchois. Et puis nos petites tranches d'ail qu'on va répartir sur toute la surface. Et après, il n'y a plus qu'à rouler et ficeler. Alors là, c'est... Moment un petit peu délicat où il faut faire attention de pas tout faire sortir. Mais bon, en principe, on y arrive. Donc, on n'a pas mis ni sel, ni poivre, ni rien, parce qu'entre l'ail, l'anchois qui est salé, le lard qui est salé, normalement, l'assaisonnement, il se fait tout seul. Bien serré pour que... Ça se défasse pas à l'intérieur. Un petit nœud. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à la mettre au four. On va le mettre dans le four. Et puis bien surveiller parce que le four est bien chaud. Donc là, on s'amuse. On est à la campagne, on a un four à bois. Mais si on est dans sa maison ordinaire et qu'on a juste un four électrique ou à gaz, on va faire chauffer le four à peu près à 200-220 degrés et il faudra compter une bonne demi-heure de cuisson. La viande a bien refroidi. Vous avez de la chance, c'est un bon jour. Je
la place pour poser les plats. Et voilà, juste cuite comme il faut. Bon, ben, Jean, alors, oui, on a bon cette fois. Allez à la mort.